Ah, genou. Ah, toi, de quoi tu fais mal, hein? On va installer ça là. C'est moi qu'il faut... Voilà. Non, c'est moi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les épipremnomes, potos, candapsus. Je vais essayer de synthétiser. Je dis bien essayer. Je n'ai pas la science infuse non plus. J'ai fait des recherches, mais c'est encore assez flou. Si jamais il y a des choses qui sont inexactes ou carrément fausses, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et je m'excuse par avance, bien évidemment. Alors, on connaît tous ces plantes qui sont grimpantes ou qui sont, en général, retombantes. C'était une intro très très nulle. On a tous connu dans notre entourage quelqu'un qui avait une plante de cette forme-là. Soit il les faisait grimper sur les rambardes des escaliers, soit c'était dans les angles jusqu'au plafond dans les maisons, ou encore dans les bureaux, des salles d'attente, etc. C'est une des plantes les plus simples, les plus connues et les plus basiques. Et je pense qu'il faut en avoir une quand on commence chez soi. Ou pas. Mais quand on commence, il faut vraiment s'entraîner sur des plantes faciles. Puisque celle-là, elle pardonne tout. Sauf si vous la mettez dehors en hiver et qu'il fait moins 10, là c'est clair qu'elle va pas vous le pardonner. Mais en même temps, chacun a ses limites. Les plantes aussi. Je vais essayer dans cette vidéo de synthétiser. Déjà, petit cours de botanique. J'ai tout noté là. J'entends du crack. Celle-là, arrête de craquer. Celle-là est originaire des îles Salomon. Tu sais où c'est? Moi non, alors je te mets la carte, ce sera plus simple. À côté de l'Australie. Alors oui, c'est originaire des îles Salomon. C'est à côté de l'Australie. Fais le focus. Gracias, amigo. On va essayer déjà de repérer Pothos, Candapsus et Vipremnum. Je crois que le Pothos, c'est un nom commun pour celle-là notamment. Comme pour le Pothos Néon. Comme le Pothos Enjoy ou... Putain, c'est quoi Enjoy ou... Eh ben, aide-moi. Enjoy ou... J'ai un trou de mémoire. Enjoy ou quoi? Enjoy? Manjula! Putain, ça y est, j'ai le nom. C'était compliqué. Je disais, le pothos, je crois que c'est le nom commun qu'on donne en France, peut-être dans d'autres pays, je sais pas. Pour les plantes, comme le pothos classique, le pothos néon, le pothos enjoy, manjula et marble queen. En fait, je commence à avoir pas mal des pothos. Et sinon, tout le reste, scandapsus, c'est tout ce qui est argenté, si je me repère bien. Notamment le exotica. Ou celui-ci, le Argyreus pictus, ou le pothos argenté. Ah ouais, on l'appelle pothos argenté. Eh bien, ce n'est pas un pothos. Voilà, c'est un scandapsus. Les scandapsus, en gros, je crois que c'est tout ce qui est argenté. Avec le Silverian, par exemple, le jade satin, je crois, ou le Silver Hero. Enfin, il y a plein de déclinaisons possibles. Tous les autres, ce sont des pothos, donc des épipremnomes. Je crois, je vérifie. Aussi, le Shangri-La, c'est un épipremnome ou scandapsus? Épipremnome, Shangri-La? Ah, c'est un épipremnome. Donc j'ai raison. Épipremnum, il y a le Amplissum, il y a le Cébou-Blou, enfin, il y a toute une déclinaison à l'infini, dont des plantes que je veux, mais bon, ça sera, on verra avec le temps, parce que là j'en peux plus. Mais là j'en ferai une vidéo un peu particulière. Pour les exigences, alors par contre, ça se ressemble à mon sens pas mal, c'est-à-dire qu'il faut pas mal d'humidité, l'excès d'eau il peut être toléré, mais faut pas non plus, c'est pas des plantes aquatiques, donc il faut pas que ça baigne dans l'eau tout le temps non plus, surtout en hiver. Quand c'est le printemps ou l'été, il n'y a pas de problème. Léger excès d'humidité, ça le fait. Même le terreau bien humide, c'est bon. Faut pas non plus que ce soit constamment, attention. La chaleur de nos appartements convient assez en général. Pas de plein soleil, mais une bonne luminosité. Surtout pour avoir des variegations, par exemple pour celle-là, c'est mieux. Après, si vous les mettez dans un coin un peu plus sombre, lui, il va faire des feuilles plus petites et beaucoup moins variegata. Après, ça c'est en fonction des goûts et de la place et de la disponibilité aussi des gens, quoi. Leurs caractéristiques pour... Toutes les variétés, c'est plus ou moins simple d'entretien. Personnellement, chez moi, elles sont assez simples d'entretien. Alors, lui, je l'ai acheté hier, donc je peux pas te dire encore. Lui, on me l'a donné 2 jours avant Noël. Je l'ai reçu le 23 décembre. Donc, je peux pas encore te faire de retour. Mais d'après ce que je vois sur Internet, dans les vidéos ou autres, c'est des plantes très très simples. Lui, apparemment, il y a eu plein de monde qui a eu du mal avec. Alors, moi, pas du tout. Étonnamment, absolument pas. Je l'ai acheté début du printemps l'an dernier, il me semble. Même, j'ai la date précise de quand je l'ai acheté, me semble-t-il. Et je vais te fournir de suite. Quand est-ce que je l'ai acheté? Ah, mais non, c'était pas là. Je l'ai acheté le 26 octobre 2020, donc pas du tout, j'ai dit de la merde, c'était pas du tout au printemps, c'était... Je l'ai acheté en automne. Bon, ben voilà, je l'ai acheté en automne. Et je l'ai rempoté par contre, c'est ça, je l'ai rempoté au printemps. Alors quand je l'ai acheté, bien évidemment, c'était comme celui-là, le même genre. Sauf que les feuilles, bon, elles étaient plus basses, hein, à niveau par rapport à celle-là. Et la végétation ne dépassait pas énormément du pot. Hein. Je l'ai rempoté au printemps.
Voilà le monstre. Tu as peut-être pu voir qu'il y a des feuilles qui ont brûlé. Parce que tout simplement, comme un gros teubé, il n'y a pas d'autre mot, bête pour les plus anciens ou ceux qui parlent pas verlan. Chinois méchant. Je l'ai mis contre la fenêtre. Et qui dit contre la fenêtre et quand il y a un peu de soleil, ben ça crame. Et j'avais pas fait attention. Alors du coup, il y a tout un côté, il y a les feuilles noires quoi. Mais je pense que ça se refera au printemps, c'est pas un souci. Les parties noires resteront noires, mais il y aura des feuilles qui vont pousser par-dessus, enfin bref. J'essaierai de me débrouiller. Et il continue à pousser. Il continue à pousser, enfin, il s'arrête pas. Bon, c'était pas le bon exemple, parce que là, il y avait une liane sans feuilles. Mais on va y venir. On va y venir. Donc voilà, il y a une multitude d'espèces, enfin de variétés par contre, pardon, de Scandapsus, d'Epipremnum. Toutes plus originales ou plus basiques les unes que les autres. Je trouve que c'est tellement satisfaisant de les voir pousser, c'est tellement gratifiant, c'est tellement rapide et simple. Franchement, si on arrive à celle-là, on peut tenter les autres, hein, c'est pas compliqué. Pour les nuisibles, ce qui les concerne, elles, ça peut être les cochenilles. Ouais, les acariens, les trips, éventuellement. C'est pas... C'est un peu chiant. Quand il y en a sur celle-là, quand c'est des gros sujets, c'est la cata. Non, c'est la merde en fait, hein, c'est la merde. Alors, quand il y a des feuilles jaunes, ça peut être lié à un excès d'eau. Faites attention quand il y a de l'eau stagnante, surtout en hiver, il faut réduire les arrosages, en automne aussi, il faut réduire les arrosages, et si les feuilles jaunissent, il peut y avoir eu une main trop lourde sur l'arrosage, donc fais attention. Quand les tiges, comme je t'ai montré, sont trop longues comme ça, sans feuilles, par exemple, manque de lumière, donc du coup elles cherchent à s'allonger rapidement pour trouver de la lumière. Pareil, comme je t'ai dit précédemment, si elle a des feuilles pas très très variegatas, c'est parce que ça manque de lumière. Ça ne lui nuit en rien, mais c'est un petit peu moins esthétique, sachant que quand on l'achète, en général, les feuilles... Putain, elle est fat, elle est... Quand on l'achète, les feuilles sont plus comme ça. Et quand il y a des taches brunes, alors soit c'est qu'on les a brûlées, comme moi, soit ça peut être lié à un excès d'eau également. Pas convaincu de ça, tu vois. Pas convaincu. Parce que j'ai fait des recherches, bien évidemment, et sur plusieurs sites, ils disaient que les feuilles jaunes, excès d'arrosage... Et feuilles brunes, et que c'est d'arrosage aussi. Va savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méthode de multiplication pour eux, c'est la plus simple, c'est le bouturage. À chaque insertion de feuilles, je vais zoomer. Tu vois là les racines. Tu coupes, tu mets ça en eau ou en terreau. T'es sûr que t'as les feuilles. T'es sûr que ça va raciner. Tu peux aussi mettre ça en permiculite, je te montre ça de suite. Tu vois. Voilà. Zoom. Merci. Je m'en occupe pas du tout. Je ne m'en occupe pas du tout. Ça, c'était un morceau qui avait commencé à pourrir. Je l'ai bouturé vite fait. Je me suis dit, oh, vas-y, on va tenter. Regarde ça. Alors, je l'ai fait... J'ai dû le faire en fin d'été. Et je m'en occupais tellement pas que ça n'a pas poussé. Mais ce n'est pas mort et ça repart. Donc, pas de souci. Je le mettrai dans le pot pour étoffer ça. Vous allez me dire, oui, il n'y en a pas besoin. Oui, il n'y en a pas besoin, mais bon, ça fait des liens en plus. Et ça fera un pot plus gros. Permiculite, ça sauve la vie. Ça sauve... La vie, ça sauve des plantes, bien évidemment, mais ça sauve la vie aussi. Donc, jusqu'à présent, on a vu la méthode de multiplication, le bouturage. Tu peux le faire dans l'eau, dans le terreau. Tu peux le marcoter aussi, c'est-à-dire que tu prends de la sphaigne, tu la mets dans un papier plastique, très bien. Tu la mets au niveau des racines et tu l'accroches en gros à la liane. Tu attends. Très bien. Mais ça va raciner. La sphaigne humide, bien sûr. Le marcotage, tu peux le faire comme ça. Tu peux faire aussi redescendre la liane sur le terreau. Tu vois, tu as le terreau ici, tu fais redescendre la liane sur le terreau ou un petit peu dans le terreau légèrement. Tu attends quelques semaines quand c'est en printemps et en été et ça racine très rapidement. Du coup, après, tu as juste à couper, tu auras deux plantes. Et je vais vous présenter mes variétés. Le pothos. Je sais pas si tu m'as vu rentrer avec, mais en gros, il y a deux tuteurs l'un dans l'autre. Ce qui fait que c'est une plante qui fait 1,20 m. À peu près. Alors, en jardinerie, quand on les achète, elles ont des feuilles énormes. Elles ont été forcées à l'engrais. Dis-toi qu'elles ont été forcées à l'engrais en serre, avec l'humidité, la chaleur, la lumière, etc. En intérieur, tu n'auras jamais ça, à moins que tu aies une pièce de malade, ce que j'espère pour toi. Mais dans tous les cas, chez toi, forcément, ça offrira des feuilles plus fines, plus petites. Pas de panique, hein, c'est normal. Mais dans la nature, il faut savoir que ces feuilles-là, que nenni, c'est des feuilles... énorme, hein. Donc bon, t'auras pas ça à l'intérieur. Ou alors très très rare, hein, les gens qui ont ça. Hein. Et d'ailleurs, envoyez-moi vos photos ou vos commentaires pour me dire comment vous occupez de vos pothos et puis vraiment mes Scandapsus, ça me fera plaisir. Donc du coup, variété, le Golden Pothos, la plus basique, la plus classique. Toutes nos grands-mères, nos grands-parents, nos mamans, nos arrière-grands-parents en avaient. C'est sûr, c'est sûr. Ensuite, donc ça c'est la première que j'ai eue, elle est partie d'une bouture de deux feuilles. Et quand j'avais essayé de la rempoter, je l'avais cassé la racine.
comme un gros teubé, donc je l'avais remis dans le même pot que précédemment. Et elle avait re-raciné, et voilà. Ça, c'est en 3 ans. Et elle a vraiment explosé à partir du moment où je l'ai mis un substrat à racines intermédiaires. Tu sais de qui je parle, de toute façon, j'en parle tout le temps dans la même vidéo, c'est de Jungle Eden. Ensuite, après celui-là, j'ai eu le Marble Queen, qui est du coup un épipremnum. Il a été ultra chiant à la maison. Je l'ai acheté, il était tout petit. Je vais te mettre la photo que tu vois un peu la taille qu'il avait. Il était tout petit et il a mis du temps à pousser. Mais quand je te dis du temps, c'est pas un an, c'est pas un an et demi, c'est presque 2 ans. Bon, maintenant ça va, il est parti, il me fait des feuilles même en hiver. Des feuilles bien variegatées. Ça se dit pas, variegatées? Bon, des feuilles bien variegata. Tellement blanches qu'on dirait du Snow Queen. Oui, parce qu'il y a aussi une variété où plus il y a de blanc, plus c'est Snow Queen. Du coup, Snow Queen. Plus tu les mets à l'ombre, entre guillemets, moins il fera de blanc. Bon, il est collé à la vitre, tu vois, il y a plein de blanc. Mais j'aime trop le motif. Je trouve ça trop beau. On dirait un peu le mojito du Syngonium, tu vois, le pattern. Et là, il est parti, donc ça, c'est cool. Je pourrais en faire des boutures bientôt. J'ai envie de faire un truc comme lui, tu vois. De toute façon, tous les potos, j'ai envie de les faire. Grimpay. Après lui, j'ai eu, ben lui, du coup, celui que je t'ai montré tout à l'heure. Le Scandapsus pictus argyreus. Qui, lui, m'a surpris parce qu'au début, je sais que ma grand-mère, elle en avait eu un. Il avait pas grandi de fou. Elle avait fait mourir très rapidement, d'ailleurs. Et je me suis dit, ouais, s'il faut, je vais faire pareil. En fait, pas du tout. J'ai fait l'opposé. C'est-à-dire que je l'ai rempoté, comme je t'ai dit précédemment, et il a explosé. Il faudrait que je mette un deuxième tuteur parce que, ben, tu vois, il y a des lianes et voilà. Et il me fait des petites feuilles. J'aimerais qu'il m'en fasse des plus grosses. Mais alors, pour qu'il m'en fasse des plus grosses, il faudrait que je le bascule en substrat aracé tout court. Parce que là, il est en aracé intermédiaire. Donc, voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais tester. Je me retrouve avec des feuilles énormes. Oh, oh oui! Pourquoi je fais ça? Donc, ça m'était mon troisième. Après, on m'a donné les boutures du coup de Enjoy et Manjula. Alors, j'ai toujours galéré à reconnaître l'un et l'autre. Là, ça y est, maintenant je m'y fais. Le Enjoy, il a les feuilles plus petites. Le Manjula, les feuilles plus rondes. Et le Manjula a la variegation un peu plus jaune si je ne m'abuse. Et ben, le Enjoy est un petit peu plus blanc. C'est vraiment des détails. Et je sais que les deux ont raciné puisque ben, ils m'ont fait des feuilles. Je sais pas si on voit des racines là. Je l'ai pas vu. Et ensuite, on m'a offert du coup le néon. Je suis trop fan. J'aime trop. Est-ce qu'il me fait une feuille d'ailleurs? Kekino, tu veux pas me faire des feuilles? Pourquoi t'appelles? Bon, de toute façon, au printemps, je vais le rempoter en aracée intermédiaire. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et celui que j'ai acheté hier. Alors, dans la temporalité des vidéos, je sais pas quand est-ce qu'elle va être diffusée celle-là. Mais on est le 7 janvier. Hier, j'ai été avec Nathaniel et Clémentine. On a été à Solignac, dans une jardinerie qui a une demi-heure facilement de route. Et du coup, c'est là où j'ai acheté un bégonia, où j'ai acheté l'épipremnum. Pas du tout le Scandapsus, Exotica, et les Syngos. Mais ça sera dans une autre vidéo, ou peut-être qu'il y a une vidéo qui est déjà sortie, je sais pas. Et en tout cas, j'ai acheté celui-là. Et lui, j'adore. J'adore parce qu'il a les feuilles énormes. Celles-là, en plus, elles sont nouvelles. Et en plus, il m'en prépare d'autres. Déjà là. Là. Bon, alors, on a tendance à le voir en retombant, celui-là. Mais je vais tenter de le faire grimper. Un cucugno, t'auras pas le choix. Ah, mais il y a 4 morceaux? Oh, ça retape la vie. Donc, au final, j'en ai combien des plantes potos que j'ai prises? 1, 2, 3. Ah, toi, t'as failli. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Il en manque! Non, je rigole. Si, il en manque. Enfin, pas, j'en ai pas. De toute façon, j'en veux pas plus forcément. Le Shangri-La, je le veux pas parce que j'aime pas forcément la forme des feuilles. J'aimerais bien avoir le Silverian, mais c'est vraiment ça, c'est un petit caprice et c'est parce que je voudrais l'intermédiaire entre lui et lui. Le Silverian, il a les feuilles un petit peu comme lui, en légèrement plus grosses. Bon, en même temps, là, elles sont petites parce que c'est l'hiver. Mais en légèrement plus grosses et un petit peu plus argentées. Mais moins argentées que celle-là. C'est vraiment un détail. Par contre, j'aimerais bien le Silver Hero qui. Et lui a les feuilles carrément tout argenté. Un peu de cette couleur-là. Enfin, cette couleur-là, mais carrément tout argenté. Il n'y a même pas le vert foncé. Trop joli, mais ça, après, c'est vraiment un détail. Mais après, si je l'ai pas, c'est pas grave. Est-ce que j'en veux un vraiment? J'aimerais le Marble Queen, mais de cette taille-là. Mais c'est ce que je vais faire dans tous les cas, donc on verra. Mais j'aimerais le voir avec les grosses feuilles. Même en jardinerie, le voir en gros sujet avec les grosses feuilles pour voir ce que ça peut donner. Parce qu'on n'en voit jamais. Il y a peut-être une raison d'ailleurs. Mais j'aimerais bien le voir. Et je vais tenter de le faire comme ça, de toute façon. De toute façon, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Après, c'est des épipremnums vraiment qui me plaisent pas mal. Il y a le Amplissum, le Cebu Blue, il est joli aussi
quand ils se perforent. Mais sinon, après, il n'y en a aucun qui me font rêver. Je vais vraiment presser d'aller acheter des potos, des épicrénums, scandapsus ou autre. À moins qu'il y ait une variété vraiment qui soit très très originale, très recherchée, auquel cas... Ah si ! Scandapsus tricolore, je crois que c'est. Dis Siri. Scandapsus tricolore. Désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter votre requête ? Scandapsus tricolore. J'ai l'impression que j'ai du mal à comprendre. Veuillez m'excuser. On aurait essayé. Alors, Scandapsus tricolore. Ah si, j'en ai un que j'aime bien par contre. Attendez. Alors, je sais pas si c'est celui-là. Ouais, ça doit être celui-là. Et par contre, c'est le Treby Moonlight que j'aime bien. Et puis, Frem, non ? Scandapsus Treby ? Non, Scandapsus Treby. Treby and Moonlight. Lui, par contre, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, par contre, je l'achèterai pas de suite, tu t'en doutes, ça va. Déjà, je vais donner des plantes pour pouvoir me libérer un peu. Je vais aller en racheter, quoi. Pas de suite. C'était ma présentation des potos, Epiprenum, Scandapsus, tout ce joyeux bordel. Je sais pas si j'étais vraiment éclairé, parce que même moi, je sais même pas si je me suis proprement éclairé. Désolé si j'étais un peu plus mis dans le flou. Mais je crois qu'en gros, pour faire simple, tout ce qui est Scandapsus, c'est tout ce qui est argenté. Donc Exotica, Silverian, Argyrius Pictus, là. Du Sargireus, il y en a sûrement d'autres variétés, le Silver Hero, etc. Et tout le reste, c'est des épiprémnomes. Donc, celui-là, le Barbel Queen, le Pothos Neo, tout ce qu'on appelle vulgairement Pothos. Sauf celui-là, faut pas l'appeler Pothos, en fait. Voilà, c'est tout. Si j'ai bien synthétisé, je crois que c'est ça. Bah, si c'est pas ça, en tout cas, je suis désolé. Ben voilà, j'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a fait du bien, que t'as passé un bon moment à ma compagnie. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle ce sera. Ciao !